Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales. On se retrouve avec Gaelden et Damned. Salut les gars. Hello! Salut! Je vois que ça y est, c'est déjà parti. On enlève la pause, on se jette sur les trucs, c'est la fête. Aucune pitié. Ouais! Du Ouais, des fer! champignons, du fer. Où est-ce qu'on est? Y a un truc à inspecter. Il y a un truc de rat pas loin, mais. Oui, bah on pourrait se faire ça là. En On n'a plus, pas on a une quête soi-disant tout à une fille. l'heure, on va à la prison, on va la faire après. Ouais, Si, si, mais mais. Gelden il a dit oui, mais attendez, on va d'abord aller chercher Ah un oui! mec, oui, mais après machin. Le truc de rat, faut pas qu'on y aille tant qu'on n'a pas de torche. Hein. Bah ça, c'est à toi de les faire les torches, tu peux les faire dans le campement. Bah ouais, je sais bien, merci. Eh Qu'est-ce oh, on va se que tu fous détendre. là? On a D'ailleurs, c'est moi le capitaine, hein. du tissu, on a Ah, des. ok, Vas-y, hein. donc là on n'y va pas. Très bien, j'ai compris. Bah, ça, j'ai pas testé encore. De quoi, les invasions de rats, t'en as pas fait encore? Ouais, je n'en ai pas fait encore. Je pense que là on commence à être pas trop mal en termes de niveau. Fais gaffe, Damned, je te rappelle qu'on est recherché, hein. Ah oui. Non, Je on parle n'est pas en recherché. marchant, mais. Non, non, c'est Enfin, bon, on a on de l'ouïe, on a du soupçon, quoi. mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se On aura passe? du soin. Ok. Un tabard Une décoré des. flèche Oh, la loi, hein. incendiaire. Oh, la Ah, flèche une flèche incendiaire. incendiaire. Non, c'est Ouais, ça met chiant. du. Ça crée du feu sur la Ouais, zone, ouais. non. Faut pas. Ah ouais, non, ça a l'air un peu relou, ouais. Et le tabarque. Ah, le critique plus 3, il est sympa quand même. On verra si j'en chope pas, hein, mais. Ah. Ah putain, Ah, le bah le plat! campement juste avant là. Bah parfait, Ouais. c'était la quête! Bah bien sûr, c'est pour ça que Bon, j'allais chercher. fais annuler dodo. Fais Ouais, mais annuler dodo. on a la quête, on s'est retrouvé fatigué, mais juste avant. Oh Ah, attends, non! non, non! Il y a Ils se le. fait, ils se font choper par des gardes. Putain, l'enfer. Ouais. Oh. On aura le malus, c'est pas grave. Bah sinon, on perdait la quête, c'est ça? Ouais. Bah je Ah. pense, hein. Enfin, après il y avait peut-être une chance qu'il gagne, mais j'y crois pas trop. Donc nous Ouais. c'est il faut vaincre l'escouade de Arneon. Darnayon, ouais. L'impudique. Ça c'est beau comme nom Comme ça. ça, on aura deux alliés. Et du coup je pense qu'on n'aurait pas eu un chef de base, hein. Non, l'avantage c'est qu'on a l'inspiration. Donc on a plus de mouvement, mais on a moins de force et moins de dext. Pas moins de dégâts. Ouais. J'ai pas vu du coup. Ah, il y a des artificiers. Ta ta ta, il y a des artificiers. Soudard. Il y a un piège. Il y a un piège là. Où ça? Ici, là, là, là. Je vois pas bien. L'impudique, il fait quoi? Dégâts subis réduits de 15%. Putain, on va galérer en DPS sur cette bataille. Eh ben, il faut. Ah oui, c'est clair. Bah, pareil, Bah. hein, faut le. Déjà, faut aller C'est chercher la même. l'artificier, donc je pense que c'est pour moi ça. Il n'y en a qu'un seul d'artificier. J'en vois qu'un pour l'instant, mais c'est le premier qui joue par contre. Alors l'avantage c'est qu'on a trois qui jouent avant. Dont le capitaine Kag qui est un archer. Ok, très bien. Donc je peux aller tanker le chef avec Quack par exemple. Et tanker Ouais. l'artificier avec. Il fait pas forcément énormément de dégâts. En plus, il ignore la garde. Donc à la limite, il vaut Ah mieux. oui. Plutôt un soudeur. Je vais balancer une malvinette dessus. Ou un truc comme ça. Et puis de toute façon, faut rush son DPS, quoi. Ouais, en plus, malvinette, elle peut lui faire sauter sa garde à lui. Parce qu'il Ouais, a quand même 32, 32%. tu commences avec un truc étourdissant là. Ouais. Bon bah C'est du bien coup je beau vais ça. générer un point pour aller en chopant l'artificier, puis après Malvinette Ouais. pourra s'en occuper. Je valide. C'est bien beau ce que j'ai pris là du coup sur ce mois-ci. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, obtenez un. Mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il est d'attaque avec la hache de mêlée. J'ai l'impression que c'est que des attaques sur une personne. Attends, fais Ah, voir. elle attaque pas en. Ah oui, Bah. ça inflige des dégâts à la cible. Ah mince. Du coup, ça sert à rien. Bon, en tout cas, Pour le avec moment. cette Ah, arme-là. t'as pris provocation? Non, je l'avais Non, c'est déjà. le truc de base, je crois, ça. Ah oui, non, non, je l'ai pas C'est le pris truc en de tout cas, base moi. du guerrier. Ah non, c'est con. S'il avait pas. C'est quoi? Déchaînement que j'ai pris, moi. Oui, non, mais déchaînement, c'est très bien. Mais du coup, ça sert à rien le enchaînement valeureux.
Enchaînement valeureux. C'est Or, pas au pire, enchaînement on valeureux. le respécialisera si on trouve pas d'arme Chaque qui va fois qu'une bien. attaque touche plusieurs ennemis, obtenez un. Ah non, oui, en effet. Ouais, mais si, non, mais le truc, c'est que ça, c'est. Le déchaînement, c'est la compétence de plus. Ton attaque de base, ce sera décapitation. Oui, Oui, mais mais du coup, en c'est. Ah, passif, mais il a c'est pris une attaque. enchaînement valeureux qui touche Pardon, oui. plusieurs ennemis. Il faut qu'il touche plusieurs ennemis. En effet. Ok, j'avais pas. Voilà, c'est ça que je vous dis. Mais bon, c'est pas grave, hein, Bah c'est non, tout non, à mais fait. tant pis, hein, c'est pas la mort. On fait une nouvelle partie. Non, bon, on le reclassera comme on a comme Oui, malice. oui, un peu. Un jour, on sera riche. Et Ah, du si j'étais riche. coup, à Malvinette. Tiens, je peux même en profiter pour. N'oublie pas qu'il faut que tu l'engages, hein, donc commence pas Ouais, à je faire sais. des tentatives d'exploit, hein. Il y a une stratégie. En plus, Ouais. t'as pas d'armure. Tac. L'armure, c'est pour les faibles. Poulet faible. C'est qu'il est faible. Et Mais bah, en tout résiste cas, il est pas à faible, hein. Vu ça, non? comment il tient. C'est clair. Y a un soudard qui va jouer juste après. Il a pas de hache de lancer pour une fois, Alors, mais le soudard pour le coup, ouais, c'est peut-être bien je peux le si. choper avec quoi qu'un. Ouais, si quoi que le choc. Laisse-le éloigner de Malvinette parce que derrière ça, il y a un pillard et tant qu'à faire. Ouais, je vais me mettre vraiment juste là, comme ça, si Gaelden peut mettre des coups au milieu là, ça le gêne pas. Ouais. Ah bah ouais, hein. Putain, ça va être mou ce combat. Entre la fatigue et les armes à la con là. Vrai qu'on a la fatigue, putain. Ouais. Ah, et la fatigue qui est mal tombée là. Ouf. Bah, ce qui est encore plus mal tombé, c'est la troupe qui va les agresser, quoi. Oui, ça c'est clair. Bon, À bah. droite, il y a le soudard qui va jouer, mais c'est moins grave, je pense. Il y a Damned Esmosis quand même pour gérer. T'arrives à Ouais. mettre un coup sur le chef et l'autre avec Gaelden? Ouais, Comme ça, si en plus tu peux focus le pillard, tu seras le seul pas engagé pour rebouger après, ça peut être pas mal. Hein. Ah oui. Hop. Bim. Ça fait des dégâts bonus sur l'armure, ils font plaisir quand même, quoi. Hop. Et quand même. Voilà. Est-ce que je leur déplace pour Essaye d'aggro le pillard, ouais, ça serait peut-être pas mal. Hein. je vais me mettre à côté de lui. Ouais. Après, Tac. y'a quoi? Y'a Ardarine derrière. Ouf. Le signe va prendre cher parce qu'il va y avoir le pillard en plus. Ah, et Ah surtout, il m'a merde! désengagé, surtout, l'enfoiré. Bah là, Zmoï peut aller rechoper l'artificiel derrière. Ouais. Ouais. Lui mettre une petite décapitation des familles. Mais en vrai, je voulais faire même mieux que ça, mais. Si, ouais, je vais faire ça. En fait, je pense que je vais aller lui enlever l'armure avec Damned à l'artificier et après Esmoïsis parce qu'il fait Ouais. 50% de dégâts quand il n'y a plus d'armure. Ah En plus. oui, carrément, ouais. Donc je vais me concentrer sur l'artificier. Alors, te Ouais, colle mais. pas parce que tu vas l'engager par contre. Enfin, après, bon, c'est pas hyper grave, t'as pas de bonus Oh, quand c'est t'es pas grave. engagé. Ouais, non, t'as pas de bonus avec Asmosis quand c'est Non, non, engagé. il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, c'est le pillard qui va faire chier. Ouais, Ouais, mais bah. là, de toute façon, dans tous les cas, on aurait été coincé, hein. Hop, tac. Ah, Ah, non, bah, très bien. encore mieux. Bon, Ah! par contre, le Bon. loup risque de pas bouger. Oui, parce que je suis pas sûr qu'il ait le mental, on va dire. Et du coup, on va tester tout ça. Mais si je viens. En plus, lui, il va se sentir un petit peu encompressé là, normalement, non? Non, Non? parce que je suis engagé donc je compte pas Ouais. avec le signe. Ah, c'est donc ça. Mais Et cela dit, là? je suis curieux de voir le déchaînement quand même là. Ouais. Pour le Bah, plaisir c'est quoi. bizarre parce que c'était 8 à 11. Ouais, mais on a des Ouais, malus, mais hein. t'es fatigué N'oublie là. pas. Ah, c'est vrai. Et le déchaînement, Ouais, bah allez. vas-y, colle le Allons-y. déchaînement. Ah, Ouais, dommage. minimum, 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 quoi. Ah. Voilà. Bisous. C'est ça. Oh, Oh! pas Quel cerveau. mal. Ah, ils ont bien travaillé l'IA quand même. C'est ça. Bon, puis bah Et Malus, elle vient se coller derrière Quack et puis elle met des flèches. Hein. Bah ouais. Sur le soudard par exemple? Allez, le soudard, ça me fait plaisir. Supporter.
Tiens, dégage. Ouais. Voilà. Et puis. Glorieux, très bien. Et Ardarine, dans le dos. Oh là là. Boum. Nos animaux sont absolument magnifiques. Et ben. Alors, c'est le chef qui joue de nouveau. Ah, le pillard qui joue. Ouais, mais on a largement le temps. Je vais bouger avec Galden. De toute façon, il faudra le faire tout rapidement. Ouais, puis tu peux toucher les deux du coup, vu qu'ils ont été rapprochés par. Oui, en plus, c'est vrai ça. C'était complètement fait exprès. Il lui reste un petit chouïa d'armure à l'autre, donc ça va faire les 50% de dégâts. Voilà. Bon. Et bah, je vais rebouger. Je vais me mettre là. Il fait rien son tir à lui, hein. C'est un tir de base. Hein. Bah, le truc, c'est que l'avantage, c'est que lui, il n'a pas le malus de 50%. Ah si, sur un critique, il attaque de nouveau une fois. Oh putain, c'est hyper fort pour un archer. Est-ce qu'on essaie de terminer le... Ouais, moi je pense qu'il faut se concentrer sur lui. Hein. Le boss. Ouais, le chef. En plus, t'as plus d'armure, donc ça fait toujours du dégât en moins si on arrive à le finir. Hop. Oh putain, 6 à 8. Il reste 7 PV. Ouais, mais on a encore, il y a encore la phalange derrière. Il y a la phalange derrière qui va jouer, t'inquiète, elle va le finir. Oh, mais ça me saoule, quoi. Allez, bisous. Hein. Ouais, bah t'as fait le taf quand même. Ouais, et puis du coup, ils vont plus avoir leur bonus, là. Toujours ça de prix. Par contre, le pillard, il est trop entouré, on peut pas le choper. Donc on va se concentrer de l'autre côté, je pense. Mais... Ouais, attends qu'il ait joué, le pillard, pour... Je vais générer un petit peu de points avec le signe. Bah oui, très bien. Et mettre un petit coup de hache. Et une déviation. Pff, non, ça vaut pas le coup. Voilà, il va. Voilà, il a juste à se retourner et il met un beau coup. Mais maintenant, on peut le choper de dos. Alors, par contre, c'est l'artificier qui va jouer, mais il est engagé. Mais dans la limite, Damnet, tu peux le finir avant qu'il joue. Hein. Ouais. Je pense. Oui. Allez, tiens, amuse-toi. Bim. Ah, bah, c'est non, c'est con. Ça, à mon avis, t'aurais mieux fait de le terminer avec Damned. Bon, pourquoi ? Quoi ? Parce que Damned fait moins de dégâts et Smoicy aurait pu retourner sur le pillard. Ah ouais, oui, c'est vrai. C'est ouais, vraiment. Moins de dégâts, oui, un peu quand même. Ouais. Si Damned fait moins de dégâts. Si, je fais moins de dégâts. Bon, par contre, lui, il va falloir le terminer rapidement parce que sinon, son attaque de zone, elle va faire mal au prochain tour. Bah, attends. Alors, ce que je peux tester, mais je suis pas sûr que ça marche. Parce que là, il va peut-être pas se déplacer, mais je sais pas si avec Mali. S'il avait pu se déplacer une case, ça le casse. Hein. Si, oui, t'as raison. Ouais, mais je suis pas sûr que tu puisses trouver un angle pour qu'il se déplace là. Si, en allant par là. Ouais, mais en allant par là, tu vas mettre une flèche dans les fesses d'Ardarine là. Ça, c'est possible. Non, à mon avis, c'est mort. Hein. Non, attends, j'ai une idée. Là, à mon avis, tu le déplaces. Merci, Chabuti. Attends. Hop. Oh, le petit point qui coûte cher. Ouais, mais on s'en fout. Ouais, c'est un point jaune. Et voilà. Ouais, pas faux. Un point... Ça aurait été ouais, orange, peut-être pas, mais sur un point jaune, on va dire qu'on s'en fout un peu, quoi. Donc là, est-ce que je peux aller le chercher là-bas? Oui, je peux aller le chercher là-bas. Alors, on va y aller. Même si je fais pas trop de dégâts, c'est pas grave. Ah, ça va, je pense que... C'est correct quand même. Hein. Ouais. Va se retourner de toute façon. Évidemment. Mais vu qu'il joue pas en premier. Et avec voilà. le loup et Damned. Alors et du coup il me reste moi, donc je vais me foutre dans son dos. Coucou. Allez. Oh non. C'est pas de bol. Ouais, tranquille. Bien, bah il restera s'il y a le Soudar qui est complètement à l'autre. Il y a encore pas mal, ouais. Je peux lui mettre un petit coup de hache. Entamer son armure, voilà, parfait. Comme ça, ce Moïse va pouvoir se faire plaisir, il n'y a plus d'armure. Ouais. Bien joué. Le capitaine va terminer. Ouais, je vais vous dire. Ouais, finis le pillard. Je prends le phalange qui.
Voilà, comme ça la phalange le fait pas. Hop là. Nickel. On va commencer à courir au cas où, mais... Ouais. Bon, le Soudard va pouvoir attaquer, mais bon... Pas grave. Et donc là, il faut que Damned, tu finisses le... Bah ouais, ouais. Alors enfin, dans bouge le avant. Ouais, bouge avant, voilà. Dans le doute. Hein. On sait jamais. Et par contre, oui, c'est plutôt ça, s'il te plaît. Merci. Voilà. Oh, oh, ça va. Ça passe. Large. Voilà. Et puis là, Zmoa, il va venir s'amuser. Alors, on va d'abord faire déchaînement, puisque ça donne dégâts de la prochaine attaque augmentée de 50%. Si tu fais donc, un critique, entre ça ouais. Et pas d'armure. Là, normalement, ça devrait faire assez mal. Oh, okay. C'est que sur un critique hein, que tu... C'est sur un critique que tu gagnes fureur, ouais. Ah, excusez-moi, j'avais pas... Oh, enfin, un vrai bouclier, je prends. On n'a même pas eu le temps de voir. Non, là... j'avoue que j'ai pas eu le temps de voir c'est non plus. C'est mon bouclier. C'est le gars que j'ai pas aidé à moi, à moi. La rondage du caporal. Le charbon, c'est plutôt pour toi aussi, Damned, puisque c'est d'accord. Pour l'artificier. D'accord. Ah, et un petit niveau pour Malvinette et pour Akatsukouette. Ouais. Et on a un niveau sur Ardarin. 20 d'influence et en plus on a aidé, on a fait notre quête, c'est parfait. Alors Ardarin, ouais. Qu'est-ce que tu gagnes de beau? Niveau 4. Plus de mouvement, ouais, bouf. Plus de critique, bouf. Ah, si je le passe à 15 de volonté, il pourra survivre en cas de besoin. On va faire ça. Voilà. C'est tout naze, le level up d'Akatsuket. Est-ce que j'utilise 20, 40 d'influence pour augmenter sa constite? Franchement. 40 d'influence? De 2 points, ou sinon j'utilise que 10 d'influence pour. Et en plus, il combat pas Akatsukouette, donc franchement, ça vaut pas le coup. Non, je vais utiliser 10 d'influence pour augmenter son transport. Ouais. Tout le reste, Oui, à rigueur, c'est plus utile. Ouais. 14 de garde, 13 de garde, 9 d'armure. Ouais. On a encore un point dans le compendium. Ah, par contre, j'ai plus la compétence protection si j'enlève ça. Ah ouais, l'un dans l'autre, elle est meilleure en fait celle-là. Bon du coup, le bouclier finalement... Bah il y a Quack et t'en as deux qui ont des bouclier. Ouais, il y en a deux, mais en fait en vrai, il est un petit peu meilleur en termes de stats que le bouclier de le signe noir, mais du coup je perds la compétence protection quoi. Qui est quand même hyper forte. Hein. Le truc qui diminue les prochains dégâts de 70%, ça a quand même sauvé la peau une fois ou deux, quoi. Ouais. Bon, par contre, faut qu'on campe, là. Hein. Bah oui. Ah ouais. Ah, pardon. Ah oui, parce que t'étais dans un... Ok. Je croyais que j'étais trop loin. J'étais dans le compendium. Bon, alors est-ce que je peux faire mon atelier? Parce que là c'est la dèche. Alors il me faut du cuir. Du cuir. Il faut du fer. Il faut du bois. Ok. Et donc du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que il s'est apparu dans l'inventaire, un truc du genre? Non, alors, il a amélioré non. De base. Ok, il a ouais. Amélioré de base. Alors maintenant, quand tu fais un clic droit dessus, t'as un truc en plus qui s'appelle, en bas à gauche, t'as un truc qui s'appelle démanteler. Ou... Et je vais te mettre, je remets dans l'inventaire, partager ah oui. les trucs à... Démantèlement, effectivement. Hop. Ah, duck. Ça, on va le garder quand même au cas où, la duck du meneur, c'est nul. Ça me saoule, là. Qu'est-ce que... Pourquoi je peux pas démanteler? Est-ce qu'il faut... Tiens, je te mets en inventaire partagé les... que tu peux péter. Il faudra que tu penses à faire des torches, l'ami de signe. Ouais. Et puis des crochets aussi, s'il te plaît. Parce que comme je suis trop naze, j'ai tout raté. Je peux pas démanteler les trucs qui sont jaunes. Ok, intéressant. Damnette, t'as des champignons et de la consoude de récupérer. Ok.
Alors, 6 matériaux bruts, 4 de cuir, 3 de bois, 7 de minerai de fer obtenu, c'est pas mal. Ça va. Et les torches, il faut du tissu. Du bois, de la et graisse. De la graisse. J'en ai une, moi, de torches déjà. Ouais, j'en avais fait une pour le. Je vais en faire 4. Ce qu'il faudra, je pense, c'est que c'est les deux porteurs de boucliers chopent une torche. Et on a un point à passer aussi. Ouais. Ouais, on a un truc. Soit pour le forgeron, soit. On sait qu'on va recruter, donc on pourrait réduire le coût de recrutement si on veut. Ah, l'atelier, on peut l'améliorer niveau 2 après. Ah oui. Il y a encore une amélioration. Ouais. Ah ouais. Et encore une amélioration, ouais. Bonus, vous pouvez démanteler toutes les armes. Ah, et t'obtiens deux au lieu d'un seul. Ouais. Ouais. Ouais, ça coûte un peu cher quand même, mais. Oui, pour le moment. Déjà, améliorons un peu tous les autres trucs, je pense. Et puis voilà, mais pour dire, c'est pas mal quand même. La marmite, si on l'améliore, les recettes donnant des bonus ont 15% de chance d'être délicieuses. Ouais. Les recettes donnant des bonus. Je crois pas qu'on en a encore. Oui, c'est les recettes un peu améliorées, quoi. On pourrait faire tous les plus que je fais sont normaux pour le moment. Mais... Ouais. Ah oui, d'ailleurs, je peux refaire des cordes normalement. Yes, je peux faire des cordes. Je sais pourquoi, il y a certains trucs où t'as entre parenthèses le nombre possible autour et d'autres non. Ouais. Tu m'as dit que tu voulais les crochets, je t'en fais 5. Ouais. Vas-y, je vais essayer de pas trop faire de la merde. Mais... Je peux en faire plus. Hein. Merci. Ouais, je pense qu'on peut prendre sans de la conversation, ce serait bien si on. Peut-être si on s'en recrutait un ou deux de plus. Ouais, allez, écoutez. Hop, c'est fait, voilà, on n'en parle plus. Et formation accélérée, c'est bien aussi. Non, mais ça va être bien, ça, déjà. Formation accélérée... Ah oui, c'est ce qu'on vient de débloquer, du coup. Les nouvelles recrues obtiendront un point d'aptitude. Ah ouais, pas mal. Ah oui, effectivement. Ça leur fait plus de caractère, quoi. Ouais, j'avoue. Un bel direct. Après, avant de recruter, on attendra le prochain point. On va réparer un peu, parce que mine de rien, on a souffert quand même, hein. Ouais, si Malvinette est à 0 sur 20. Ouais, je peux pas réparer visiblement. Je vous le mets dans l'inventaire parce que je peux pas réparer. Je vais en prendre un pour Malvinette. Quand même, de temps en temps. Hop. Tac. Voilà. Sur Gelden, je le laisse. Il est à 8 sur 15, c'est pas très très grave. Il chope quand même assez peu de coups. Ouais, puis elle répare bien les matériaux, c'est 20. Hein. Ok. Je pense qu'on peut dormir. Hein. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Alors, on en bouffe de la carcasse. J'arrive tout de suite. On a 3 carnivores dans le groupe, quoi. C'est ça. Ok, bah on est remonté au max, parfait. Max de points de bravoure. On a 222 de bouffe et 222 de thunes, c'est beau. Et 226 d'influence, presque. Plus du 200. 20. Et quelques. Il nous faudra 222 points de bravoure et on serait bien. est-ce que vous voulez qu'on tente l'invasion de rats? Je vous préviens, c'est assez particulier. Hein. Oui, allez, faut y aller, faut montrer. Alors peut-être pas dans cet épisode par contre, mais... Bon, bah alors du coup, non. C'est déjà assez... Enfin, on va pouvoir l'arrêter. On a fait deux gros épisodes, donc on va pouvoir arrêter l'épisode là, je pense. Ok. Prochain coup, on tente les pirates. On se met à côté. Tiens, ce sera pour la next time. Ou alors, on montre, on lance. Il faut juste équiper les torches, du coup. Ouais, et alors... Toc... Alors, les torches, du coup. Le truc, c'est qu'il n'y a que toi qui pourras les porter. Ouais, mais déjà, ils veulent pas la prendre. Voilà, merci, tu la prends. On montre et puis on s'arrête. Hop là. Donc, personne d'autre a besoin de torches, on est d'accord. Ouais, moi j'en ai une encore, mais. Je vais sauvegarder avant. Ouais. Oh, ils sont moches. Ah, ils sont moches, ouais.
Le sol tremble. Ah oui, quand même. Je vous dis une invasion de rats. Alors, je voulais les voir, c'est vachement sympa les invasions de rats. Donc, il faut tuer la matriarche. C'est un énorme rat. Chaque tour, elle appelle des rats. Et en objectif bonus, si on détruit des excroissances pestiférées, ça nous fait plus de loot à la fin. Donc voilà, okay. Et sachant que les rats pestiférés, si ils touchent un ennemi qui n'a pas d'armure, ils lui mettent de la peste, un truc du genre. Ah, sympathique. Ça a l'air bien affreux comme truc, ouais. Et si on les empoisonne, ils prennent de la vie plutôt que prendre des dégâts. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que le cygne et Quack s'occupent chacun d'une excroissance pestiférée. Yep. Sachant que les excroissances pestiférées, quand on est dans leur zone, ça empoisonne. Ah oui, effectivement, ouais. Donc c'est de la belle saloperie. Donc, hein. Faut faire des allers-retours, du coup. Limite, ouais. Après, je sais pas, le truc de flamme, ouais, non, c'est un coup de torche, donc c'est tout proche, faut être vraiment proche. Et vous verrez, elle invoque des rats, là, à l'autre saloperie, mais... Oui, mais le nombre de rats appelés augmente de 1 chaque round. C'est ça, elle en a 10 à appeler. Voilà. Oh, putain. Donc 1 au premier tour, 2, 3, 4... Donc là, l'intérêt, ouais. C'est que au moins Malvinette, voilà. Et Gaelden, ils vont nettoyer, parce que les petites saloperies, là, elles ont 20 PV. Ah oui, non, et pas Smoïsis, du coup. Et Smoïsis, non, du coup. Je vais mettre les animaux assez loin des excroissances pour pas qu'elles aillent taper dessus. J'en vois que deux. Ah non, il y en a une tout au bout, là-haut, tout en haut. Oh, il y en a plein dans le fond. Ah oui. Waouh. C'est quoi ? Des escrocs pestiférés. Ah ouais, non mais ouais, c'est ingérable là. Ah, je vous avais dit, hein, pour toutes les faire, moi déjà je crois que j'ai jamais réussi à en faire une seule. Donc, en général, je me focusais vite sur les rats et tout parce qu'ils font hyper mal sinon quoi. Ouais, quand ils te mettent la peste, t'es pas content quoi. Peut-être deux sera déjà bien. Peut-être. Pyrophobie. Dégâts subis de feu augmentés de 50%. Ah, ça aurait été bien si on avait utilisé le. L'arc incendiaire, ouais. L'arc incendiaire. Yep. Ouais, je pense que c'était pas mal, ouais. L'avoir pour ça, uniquement, en fait. Et on n'a pas une bonne boule de feu, là. Non, on n'a même pas de bonne boule de feu. Bah non, il n'y a pas de... Non, ah, non. C'est triste, hein. Est-ce qu'il faudra... Je pense qu'il faudra que Damned il fasse de la lance... Des murs de lance, ouais. Des murs de lance. Ouais, mais bon, en même temps, là, ça sert à rien de voir tout ça maintenant, parce que d'ici la prochaine fois qu'on tourne, j'aurais oublié, perso. C'est ça. Donc voilà ce qui nous attend pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un tout petit commentaire. Et puis bon, on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, bisous, tout le monde. Bisous.